الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être une nouvelle fois dans ce cours de tafsir des passages choisis dans le Coran. Nous venons de réciter un verset du Coran qui se trouve dans la Surah Ali Imran, Surah 3, verset 133, page 92. Où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, en s'adressant aux croyants bien sûr, ô les croyants, empressez-vous, hâtez-vous, précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont la largeur est équivalente aux cieux et à la terre. Mais ça a été préparé pour les gens pieux. Ça, c'est un verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala recommande et ordonne à chaque musulman et musulmane de s'empresser, de se hâter pour faire le bien et surtout d'améliorer ses croyances, ses pensées, sa façon de parler, sa façon d'agir et sa façon de réagir. C'est-à-dire accourez, faites vite et partez vite et rapidement vers les bonnes œuvres, vers les valeurs morales, parce que cela va attirer le maghfirat, le pardon de la part de votre Seigneur, et bien de nos erreurs, de nos fautes qu'on a pu commettre, et en échange de nos bonnes actions et de notre réforme spirituelle, Allah Ta'ala nous accordera un lieu où il y aura le bonheur éternel et le salut éternel. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de la largeur d'un jannat, du paradis d'un habitant parmi les croyants et croyantes, les musulmans et musulmanes. Que la largeur est équivalente aux cieux et à la terre si on étale, si on étend les cieux et la terre. Eh bien, un paradis d'un habitant aura cette largeur-là. Eh bien, quelle sera sa hauteur? Quelle sera sa longueur? Quelle sera sa superficie? Mais on ne peut avoir aucune idée de ça. Et Allah Ta'ala nous dit que ce paradis-là était préparé pour les gens pieux. Donc, en un mot, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans un autre verset aussi, Allah Tabaraka wa Ta'ala utilise un peu le même terme en disant « Fastabiqul khayrat ». Que rivalisez-vous, soyez dans la compétition mais saine pour faire le bien. Parce qu'il faut bien comprendre, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous encourager à ne pas reporter le bien qu'on a l'intention de faire. Oui, c'est ce qu'on appelle dans notre langage habituel, la procrastination. Ça, ce n'est pas bienvenu quand il s'agit des œuvres pies
ou encore des actions qui mènent au pardon d'Allah ou encore au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre ennemi déclaré numéro 1, Shaitan n'agit pas de la même façon envers un mécréant et envers un croyant. Dans le cœur du croyant, Shaitan ne va jamais dire que voilà telle bonne action est mauvaise, ne la faites pas. Non, il ne va pas nous dire ça. Parce qu'il connaît que ce croyant-là, il a iman. Et par la lumière de son iman, de sa foi, eh bien, le croyant arrive à comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais il va utiliser une autre arme. Il va lui dire que la salat, c'est une bonne chose, hein? Oui, c'est une bonne action. Et que on doit faire 5 fois par jour, bien sûr. Mais seulement là, tu es encore jeune là. Tu as encore toute la vie devant toi. Donc à partir de demain, tu vas commencer à faire tes 5 salats par jour. Et lorsqu'arrive demain, eh bien, il est fort probable que cette envie qu'on avait de faire les 5 salats par jour, eh bien, cette envie-là même disparaît de notre cœur. Voilà pourquoi il utilise cette arme de la procrastination, reportée. Parfois, on écoute un discours. Eh bien, ou bien on a assisté à un cours et on a été tellement sensible aux paroles qu'on s'est dit, voilà, on a pris la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, je vais réformer tel défaut en moi, je vais corriger tel défaut en moi. Ou bien s'il y avait un manquement dans une action obligatoire, eh bien à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus rater, je ne vais plus manquer cette action obligatoire-là. Ou bien après avoir écouté un discours ou bien encore un cours, ben, on a eu l'intention d'améliorer ces 3 choses qu'on a dit là, nos croyances, nos pensées, notre façon de parler, notre façon d'agir. Mais le problème, dès qu'on voit qu'on dit, bon, pas aujourd'hui, demain, après-demain, lorsque je serai vieux, dans 10 ans, lorsque le milieu sera beaucoup plus favorable, lorsque j'aurai plus de temps, là je vais faire. Dès qu'on a dit ça là, comprenons immédiatement qu'on a été victime de l'attaque du shaitan et qu'on a été sa proie là. Voilà pourquoi, dès qu'on a l'envie de faire un bien ou bien une bonne chose là, mais il faut jamais la reporter. Ne reportez jamais l'envie de faire le bien que vous avez. Parce qu'on ne sait pas que si demain cette envie-là sera toujours là, on ne sait pas, ben, est-ce que demain on sera encore vivant? Et si on est vivant, est-ce que cette envie-là va rester ou bien elle va disparaître? Et après, s'il y a l'envie, mais peut-être que ben, on n'a pas la capacité de faire ce qu'on avait l'intention de faire hier, ou bien soit on a la capacité, mais on n'a plus donc le milieu favorable qui nous permettait d'exécuter ce bien-là. Voilà pourquoi notre cher, avait l'habitude de dire que lorsqu'on a l'envie de faire le bien là, hein, dans notre cœur, on souhaite ardemment de faire un bien, de faire une bonne chose là, mais on doit considérer cette envie-là dans notre cœur comme un mihman d'Allah. C'est-à-dire un invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah, c'est un ange qui a mis cette idée-là et cette envie de notre esprit, de notre cœur. Voilà pourquoi lorsqu'on a l'envie de faire un namaz nafil, on le fait immédiatement. Mais dès qu'on va penser, on va dire, eh ben ça c'est un namaz nafil, ça. C'est pas farz, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Mais si on ne fait pas aussi, on n'aura pas de péché. Allons-y, on va négliger. Donc c'est permis.
Mais dès qu'on a l'envie de faire une bonne action là, si on ne va pas bien l'accueillir en l'appliquant là, mais c'est comme si on a mal accueilli cet invité là. Et vous savez, lorsqu'un invité a été mal accueilli la première fois chez nous, eh bien s'il a le nez alors, hein, il ne reviendra plus. Le problème, c'est ça. Souvent, Allah Ta'ala nous donne des opportunités, l'envie de notre vie de faire le bien. Mais on a trop tendance, quoi? Eh bien, de reporter, de procrastiner. Voilà pourquoi, dans ce verset, Allah Ta'ala dit, Wasari'u ila maghfiratum. Ila maghfiratum. Hâtez-vous, précipitez-vous, empressez-vous à mettre en exécution, en application la bonne envie que vous avez en vous. N'attendez pas lorsque vous aurez, lorsque nous aurons donc le temps, hein, l'argent ou l'énergie qu'il faut pour notre réforme spirituelle, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour améliorer nos valeurs morales et religieuses. Non. Il faut le faire immédiatement. Et wallah, je peux vous dire que ce mois de Ramadan qui arrive dans une quinzaine de jours, c'est une bonne opportunité. Si on a envie vraiment de se rapprocher d'Allah, ben, il faut dire que le mois de Ramadan nous offre cette opportunité. Voilà pourquoi, donc, le prophète Allah tabaraka wa ta'ala nous demande donc d'aller même se rivaliser, d'entrer en compétition saine, essayer de dépasser les uns les autres dans le domaine religieux. Et ça, dans les valeurs morales religieuses, mais c'est une bonne chose. Par contre, dans le monde matériel, c'est pas une chose qui est bien vue. Parce que dans le monde matériel, lorsqu'on va regarder celui qui a plus que nous, bien, on risque de quoi? Eh bien, d'être triste, d'être affligé et même d'être victime de la jalousie. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, comme on dit. Dans le monde matériel, eh bien, on se rivalise. On cherche à avoir beaucoup plus d'argent que l'autre, beaucoup plus de renommée que l'autre, beaucoup plus de célébrité que l'autre, avoir les moyens matériels beaucoup plus que l'autre, et ainsi de suite. Mais par contre, lorsqu'il s'agit des bonnes œuvres pour améliorer et préparer notre akhirat, eh bien, alors à ce moment-là, on a l'habitude, on a tendance de reporter, procrastiner, demain, après-demain, et ça ne vient jamais. Et là, dans le monde matériel aussi, lorsqu'on se rivalise, on entre en compétition, la plupart du temps, ce n'est pas, la plupart du temps, ce n'est pas saine. Oui, parce qu'on a envie de dépasser l'autre, d'avoir plus que l'autre. Et là, on ne regarde même plus halal et haram, là. Souvent, c'est comme ça. Nous savons l'histoire, je ne vais pas entrer dans les détails, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour une expédition militaire, il a demandé la contribution. Il a fait une collecte, contribution donc des musulmans. Nous savons l'histoire. Rivalité qu'il y a eu, rivalité avec un bon esprit souvent, hein, entre Omar radiallahu ta'ala anhu et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsque Abu Bakr ce jour-là, il a emmené tout ce qu'il avait dans la maison, même l'aiguille qui était suspendue dans sa maison-là, mais ça aussi il l'a emmené pour contribuer. Mais Omar radiallahu ta'ala anhu, il est arrivé chez lui, eh bien, il a séparé ses biens en deux moitiés. Il a dit, voilà, je vais emmener la moitié de ce que je possède dans le chemin d'Allah. Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Mais quand il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit que Abu Bakr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as apporté? Abu Bakr l'a dit, j'ai apporté tout ce que je possédais. Et là, Omar, il a dit dans son cœur, que Abu Bakr, je ne pourrai jamais te dépasser, jamais te surpasser, tu es vraiment le plus grand. Mais il y avait ce genre,
hein, de compétition saine, rivalité avec un bon esprit dans le domaine religieux entre les Sahaba, radiallahu anhum. Chose qu'on trouve aujourd'hui dans le domaine matériel chez nous. Voilà pourquoi dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un peu la même chose de ce que ce verset du Coran est en train de nous dire, Badiru bil a'mal as-saliha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que empressez-vous et hâtez-vous à faire les bonnes actions. Et n'attendez surtout pas le moment de la tentation, des épreuves, où on risque de reporter. Parce que nous allons subir des épreuves catastrophiques, chaotiques même. Ou bien on sera parfois dans un milieu, un environnement qui est défavorable. Voilà pourquoi, si on a l'opportunité de faire une bonne action aujourd'hui, il ne faut même pas reporter pour demain. Eh bien, le professeur Sam dit dans ce sens que empressez-vous et hâtez-vous à faire les bonnes actions avant que n'arrivent les épreuves, et les épreuves qui seront comme une partie de la nuit la plus sombre. Et cette épreuve-là sera quoi? Que le matin, un homme se réveillera en tant que croyant, avec iman dans le cœur. Et à la fin de l'après-midi, il aura prononcé une action ou bien une parole de kufr et il est devenu kafir. Ça, c'est hadith. Ou bien il y a une autre personne, à la fin de l'après-midi, il était croyant. Mais lorsqu'il s'est réveillé le matin, parce qu'au cours de la nuit, soit il a fait, soit il a dit une parole de kufr, et le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il est kafir. Il est prêt à vendre sa religion, eh bien, contre les moyens matériels. C'est-à-dire, il est prêt à vendre ses valeurs morales et religieuses pour acquérir les moyens matériels. Parce qu'à un moment donné, les gens ne seront plus chercheurs de vérité, mais seront vendeurs de fausseté. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui hein, dans les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a hein, des gens qui mettent la vérité dans les réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y a une grande partie là où il n'y a que de la fausseté, de la connerie, de la bêtise. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce sens que à chacun d'entre nous de comprendre hein, les attaques, les pièges. Comment Shaitan nous bayonne parfois en nous disant que voilà, on a largement le temps devant nous là. Comme si quelqu'un nous a donné la garantie qu'on va mourir à telle date, telle année et tel jour. Surtout lorsqu'on est jeune, ben on a l'habitude de dire, ben là on est encore jeune devant nous, on a toute la vie devant nous. On va profiter, on va croquer la vie à grandes dents comme on dit. Et puis lorsqu'on sera vieux, ben là, à ce moment-là, ben on va prendre le tasbih, on va prendre le Coran, on va prendre notre musalla, notre tapis de prière. Mais qui nous dit qu'on va atteindre cette vieillesse-là? Et qui nous dit lorsqu'on sera vieux ou bien vieille, on aura la capacité de faire, on ne sera pas dans un hôpital? Allah Ta'ala nous protège. Voilà pourquoi dans ce verset du Coran, Allah Ta'ala met le doigt sur un problème de société musulmane. Lorsqu'on a l'opportunité, lorsqu'on a l'occasion, lorsqu'on a envie, on a le souhait de faire le bien, on a l'habitude de dire tendance demain, après-demain, plus tard. Mais ça, c'est mauvais. Disons-nous qu'on a été la proie du shaitan, de notre ennemi déclaré numéro un, shaitan. Voilà pourquoi il est rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha. Qu'un sahabi lui a demandé une fois, nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire faire des choses en dehors de sa maison. Mais par contre, à l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Mais ça, c'est toi qui connais parce que tu es son épouse. Mais la personne voulait dire, est-ce que même dans la maison aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait son temps sur le tapis de prière? A fait namaz, dhikar, tasbih, etc. Mais Aïcha radiallahu ta'ala anha dit dans ce sens que, ah non, lorsque le prophète rentre chez nous, alors à ce moment-là, il devient un mari ordinaire. Même s'il est un homme extraordinaire, mais il commence à faire parfois le ménage, à prendre le balai,
chiffon pour nettoyer. Mais il fait aussi la vaisselle, il dresse aussi la table. Et il nous écoute aussi. Et il partage, hein, le bonheur. Il compatit à notre peine. S'il lui arrive, voilà, il faut coudre, hein, un de ses habits, mais il le fait. Dans le langage actuel, on va dire, ben, Aïcha voulait dire que s'il faut faire un marmite de riz, ben, il fait aussi marmite de riz. S'il faut mettre vaisselle dans la vaisselle, ben, il met. Voilà. Qui est le professeur Sam à l'intérieur de ma maison? Mais ce qui nous intéresse ici dans ce récit-là, c'est quoi? C'est que Aïcha, radiallahu ta'ala, me dit. Mais dès que l'adhan de la salat était donné par Bilal, radiallahu ta'ala, anhu, le prophète sallam quittait la maison. Il faisait son wouzou, etc. Et là, il quittait la maison comme s'il ne nous connaissait pas. C'est-à-dire, dès qu'adhan donne, mais il se prépare pour aller faire la salat. D'ailleurs, sa maison et la masjid étaient juste à côté. Mais c'est ça. Lorsqu'on a l'intention de faire un bien, bien, il faut faire le plus vite possible. Voilà pourquoi, pour les dames, hein, parce que je suis devant une assemblée de dames là, j'aimerais attirer votre attention que de faire chaque salat à la première heure, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, dès que l'heure de la salat arrive, on a l'envie de faire la salat, mais ne pas reporter. Hein? On va faire la vaisselle, on va faire ça, on va faire tout le travail. Notre travail en premier, c'est la bonne œuvre qu'Allah Ta'ala nous demande, c'est-à-dire la salat. Connectons-nous avec Allah. Entrons dans cet entretien privé avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà pourquoi c'était l'habitude du prophète Sassam, adhan donné. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait plus de travail de la maison, là. Là, il fallait prier. C'est ce qu'Aïcha, radiallahu ta'ala anha, dit. Et dans un autre hadith, il est dit qu'une personne est venue voir Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulullah, quel est le sadaqa, l'aumône, la charité qui nous rapporte le plus de récompenses? Mais vous savez qu'est-ce que le professeur m'a dit? Lorsque tu fais l'aumône alors que tu es en bonne santé. Et en même temps, tu es shahi, c'est-à-dire tu es avare, tu es un peu radin, toi. Tu n'aimes pas dépenser. Et surtout, tu as peur de devenir pauvre. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que ça, c'est un sadaqa qui a de l'importance, de la valeur aux yeux d'Allah tabaraka. Pourquoi? Parce que tu es en bonne santé et en même temps, tu as un empêchement, toi, tu es avare, tu es radin. Malgré cela, tu affrontes. Et puis tu donnes. Parce que l'avarice qu'une personne a peut le pousser à reporter la charité et l'aumône qu'il doit faire. Et comme il a envie de faire aussi, ben il préfère appliquer l'envie qui, rappelons-le, est considérée comme un invité d'Allah. Mais il préfère honorer. Bien accueillir et respecter l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala que ses émotions ou bien encore ses sentiments. Voilà comment le musulman et la musulmane doivent agir. Et pour terminer, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique mieux encore ce verset du Coran qu'on vient de lire devant vous, que empressez-vous lorsque vous avez l'opportunité, l'occasion et l'envie de faire le bien, empressez-vous. Hâtez-vous, assez reporté, assez dire plus tard. Dans un hadith, le prophète Badilu bil a'mal sab'an. Précipitez-vous à faire les bonnes actions avant l'arrivée de sept cas ou bien de sept situations et conditions où vous risquez de reporter la bonne action. Mais faites les bonnes actions avant Fakran Munsiya, avant que vous soyez atteint d'une pauvreté qui va vous faire oublier les devoirs religieux. Vous avez une famille nombreuse et vous devez travailler durement, etc.
pour ramener de quoi à la maison pour subvenir aux besoins de la famille. Mais parfois, cette pauvreté-là, eh bien, nous fait oublier nos devoirs religieux. On travaille tellement qu'on est tellement fatigué, tellement épuisé, on n'a plus, même plus la force même d'adorer Allah. Donc, n'attendez pas cette occasion-là pour commencer à faire les bonnes actions. Deuxième occasion, n'attendez pas que vous soyez riche, mais dans votre richesse-là, eh bien, vous devenez moutriya, c'est-à-dire rebelle à l'égard. Vous vous révoltez contre Allah, parce que parfois la richesse, parfois monte à la tête de quelqu'un et il devient arrogant, il devient tellement orgueilleux qu'il croit qu'il marche sur le ciel alors qu'il est sur la terre. Mais n'attendez pas, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir ces moyens matériels qui nous rendent rebelles et révoltants pour accomplir les bonnes actions. Non. Et n'attendez pas aussi, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maradhan mufsida. N'attendez pas que vous soyez atteint d'une maladie, cancer ou autre, etc. Que mufsida, qui va vous handicaper, qui va vous retirer toute la capacité de faire et la force et la puissance en vous. Quatrième occasion, n'attendez pas pour faire les bonnes actions. Raraman munfida. C'est-à-dire une vieillesse qui va vous faire perdre la raison. Et dans la vieillesse, vous allez avoir Alzheimer, vous allez perdre totalement la raison, tellement vous allez perdre, mais il se peut que vous perdiez même la direction du nord. Donc avant la vieillesse, faites les bonnes actions. Et une autre occasion, le professeur Hassan m'a dit, Mautan Mujihiza. N'attendez pas, la mort soudaine peut arriver. À un moment où on ne soupçonnait même pas. Un accident est vite arrivé. Mais n'attendons pas la mort pour faire les bonnes actions. Ce sera trop tard. Et dernière chose que le professeur Hassan, avant-dernier, que le professeur m'a dit, Ad-Dajjal. N'attendons pas la venue de Dajjal pour faire des bonnes actions. Parce que s'il y a bien une épreuve qui est pire parmi toutes les épreuves, eh bien, c'est justement l'apparition de Dajjal. Parce que là, il n'y aura plus l'opportunité, l'occasion et l'envie même de faire le bien après son apparition. Et n'attendez pas aussi pour faire les bonnes actions à Sa'a. C'est-à-dire la fin du monde, parce que la fin du monde est quelque chose qui est amer et qui est difficile à supporter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde dans ce verset, dans ce hadith-là, que quoi? Toutes ces occasions qu'on vient de voir là, il y a combien d'occasions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est cette occasion-là, n'attendez pas ces sept occasions-là où vous risquez de reporter. Mais faites le plus vite possible. Parce que la mort, eh bien, peut arriver à n'importe quel moment aussi, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est rapporté à propos de Malakul Maut, il dit qu'il y avait un homme pieux qui a rencontré un jour Malakul Maut, c'est-à-dire l'ange de la mort. Allah seul sait, est-ce que ce récit-là est vrai ou non. On n'a pas le temps de regarder. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer de cette leçon, de ce récit-là. Mais il a dit à l'ange de la mort que tu es vraiment quelqu'un qui est étrange, toi. Tu es bizarre. Que tu as l'habitude d'entrer chez les gens pour leur prendre ce qui est le plus précieux en eux, c'est-à-dire leur âme. Et tu arrives par surprise à l'improviste. Tu ne préviens même pas. Ici, dans ce monde-là, même le plus grand condamné, on lui envoie une courrier, pardon, un courrier, ou bien une lettre, un recommandé même, accusé de réception. Même s'il doit subir la peine capitale, etc., tout ça, mais même avec le plus grand coupable, le plus grand criminel alors. Mais lui, on lui envoie un courrier avec accusé de réception. Que voilà, telle date, tu seras exécuté, etc. Et toi, Azazir,
hein, Israël, alayhi salatu wa salam, pardon. Eh bien, toi, lorsque tu viens, ben, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de lettre recommandée. Tu arrives, tu prends et puis tu pars. Eh bien, l'ange de la mort, il a dit à ce grand saint de l'islam-là, ah, ce n'est pas comme tu te penses. Tu touches tout. Moi aussi, je t'envoie des courriers avec accusé de réception. Lorsque tu tombes gravement malade, là, ça c'est un courrier, ça. Lorsque tu vois que tu es en train de vieillir, on a l'habitude de dire, on n'a pas 20 ans maintenant. Hein? Les cheveux, les poils sont devenus blancs. On croit après blanc, il vient jaune. Mais les poils blancs, les cheveux blancs qui apparaissent là, on peut tanner, on peut teinter, on peut faire ce qu'on veut. Il est devenu blanc là. Il y a un courrier, il y a un message dedans. Et Malikul Maut a dit à cette personne-là aussi, mais parfois là, quand tu deviens grand-père, tu vois tes petits-fils naître devant toi. Mais ça aussi, c'est un courrier que je t'ai envoyé là. C'est la dernière étape de ta vie, ça. Quoi, tu penses rester éternellement sur la terre? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit au prophète Sassam, si toi tu dois mourir, est-ce que eux ils pensent qu'ils vont demeurer éternellement? Mais ce sont des tarés. Malades mentales. Si la vie dans ce monde était vraiment aussi précieuse, qu'on ne devrait pas mourir. Mais l'homme qui méritait de vivre éternellement dans ce monde aurait été Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme hors pair, exceptionnel. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ben, chacun d'entre nous doit partir. Mais Malikul Maut a voulu faire comprendre à cette personne-là que je t'ai envoyé plusieurs courriers, mais tu as jeté à la poubelle. Tu n'as pas porté attention au message que je t'ai envoyé. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dira aux habitants de l'enfer, les anges vont dire, ou bien Allah tabaraka wa ta'ala lui-même par l'intermédiaire des anges, ou bien directement il va dire aux habitants de l'enfer, est-ce que je ne vous ai pas donné une durée de vie assez longue pour pouvoir y réfléchir, tirer des leçons? Vous avez vécu 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans et parfois 100 même, 100 ans. Tous les événements que tu as vécu, toutes les expériences que tu as vécues, et cette durée de vie-là n'a pas été suffisante, quoi, pour prendre conscience. Et wajaakumun nadhir. Et Allah tabaraka wa ta'ala va dire aussi, est-ce que je ne vous ai pas envoyé des avertisseurs? Est-ce que les avertisseurs ne sont pas parvenus à vous? Et la plupart des commentateurs du Coran disent, ici, dans ce verset-là, avertisseur, il veut dire quoi là? Les cheveux blancs, les poils blancs qui apparaissent sur notre cœur, c'est-à-dire la vieillesse, c'est ça l'avertisseur. Ce n'est pas le messager, ce n'est pas le Coran. Allah Ta'ala nous avertit qu'on a déjà un pied dans la tombe et un pied sur terre. Mais il est grand temps. Pour chacun d'entre nous, mes chers sœurs et mères, à moi-même, je m'adresse à moi-même en premier. Moi-même, je vois, j'ai eu un coup de vieux là. Hein, je suis plus Ismaël 20 ans. Hein. Ah ben oui. Il y a des cheveux blancs, la barbe même est devenue toute blanche. Il y a des poils blancs qui apparaissent. Et je comprends, hein, Allah Ta'ala est en train de me dire, hein, ton départ est imminent. Ah ben oui. Et parfois nous, lorsque les cheveux blancs arrivent, là même on fait plus madja. Il y a plus l'ambiance, dans le mauvais sens du terme. Qu'Allah Ta'ala nous protège. Donc voilà pourquoi, dans ce verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala de la sourate Imran, Allah tabaraka wa ta'ala veut attirer notre attention sur le fait, arrêtons, arrêtons, et stoppons cette attitude qui est blâmable, que lorsqu'on a l'envie
hein, de faire le bien, lorsqu'on a l'envie de se réformer spirituellement, de se rapprocher d'Allah Ta'ala, de mettre Allah au centre de notre vie, d'améliorer eh bien, notre spiritualité, d'améliorer notre façon de penser, nos croyances. Parfois, on a des croyances qui sont totalement erronées, qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui nous tirent vers le bas. On passe notre temps seulement sur la dilafée, sur les rumeurs, les ragots. Radio Fidom, apparemment. Je n'accuse personne, mais c'est comme ça parfois. Sur les réseaux sociaux aussi, hein, les gens qui mettent des bêtises, des conneries, eh bien, ce sont les vidéos qu'on regarde le plus, qui a plus de vues. Subhanallah! Des choses inutiles, des choses futiles. Il est grand temps de comprendre que les jours sont comptés. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais c'est une mise en garde du Coran, une mise en garde et un avertissement de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est grand temps maintenant que chacun d'entre nous en prend conscience. Et wallah, ce Ramadan qui arrive à grands pas, c'est une opportunité en or de notre vie. Les grands saints de l'islam, eh bien, ils comptaient que dans leur existence, combien de mois de Ramadan ils ont pu vivre. Et en fonction des mois de Ramadan, ils disaient que, Inch'Allah, on a bien passé ces mois de Ramadan-là, ben, Inch'Allah, ben, on aura des bonnes choses de l'akhirat. Parce qu'on n'a pas raté une opportunité en or et une occasion en or pour avoir le Jannat. Voilà pourquoi, hein, ce mois de Ramadan-là, on ne jeûne pas pour jeûner, mais on jeûne pour se réformer, pour devenir meilleur. Après 30 jeûnes du mois de Ramadan, il devrait avoir en nous une amélioration de nos sentiments. Que lorsqu'on voit quelqu'un dans le besoin, lorsqu'on voit quelqu'un qui est affamé, qui est assoiffé, qui est dénudé, qui n'a pas de toit, eh bien, on a de la sympathie, on a de l'empathie, on a de la compassion, de la miséricorde. On n'a pas du mépris. On ne va pas dénigrer cette personne-là. Les 30 jeûnes durant le Ramadan doivent normalement amener cette amélioration au niveau de nos sentiments. Il n'y a plus de sentiments de mépris maintenant, parce qu'on connaît ce que c'est la faim. On connaît ce que c'est la douleur de la soif. Mais on a pitié des pauvres et on cherche à combattre la pauvreté. Si ce mois de Ramadan nous permet d'améliorer ce sentiment-là, wallah, lorsque on voit le croissant lunaire de la fin du mois de Ramadan, on peut dire que demain, c'est un vrai jour de Eid, un jour de fête, et je vais fêter cela parce que je le mérite, parce que mon sentiment à l'égard des plus démunis et ceux qui sont dans la nécessité et dans le besoin s'est amélioré. Donc, je me suis amélioré. Et celui qui s'est amélioré, il mérite de fêter ça. Qu'Allah Ta'ala accorde à moi-même le tawfiq de comprendre, hein, ce verset du Coran qui est profond, qui est très riche. Donc, à partir d'aujourd'hui, en un mot, dès qu'on a envie de changer, d'améliorer, de faire une bonne action, ne jamais reporter. Dès qu'on reporte, ça veut dire qu'on est victime et proie du shaitan, notre ennemi déclaré numéro un. Voilà le mot final et la synthèse, le résumé du verset qu'on a lu devant vous au début. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.